Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui. Le Lunishma Janin Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Lachayev, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Renak, Lushomo Ben Shalom, et Olga, Bat Solvanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Gitin Per Exain Mishnah Tet. Imlo Bati Mikan Vead Shnemasar Chodesh, Kidvu Tnu Get Le Ishti. Kadvu Get Betor Shnemasar Chodesh, Venatnu Le Achar Shnemasar Chodesh, Eno Get. Kidvu utnu get le ishti im lo bati mikan ve'ad 12 chodesh. Kadvu betoch 12 chodesh ve'natnu le'achar 12 chodesh enu get. Rabbi Yosi omer kaze get. Kadvu le'achar 12 chodesh ve'natnu le'achar 12 chodesh vamet. Im ha'get kadam la'mita are ze get ve'im mita kadma la'get enu get. Ve'im en yadua zoi sha'amarnu megoreshet ve'ena megoreshet. Une Mishnah, on ne peut plus simple. Quelqu'un doit partir en haute mer. Il doit partir, je ne sais pas moi, quitter Israël pour partir en Espagne. Il en a pour quelques semaines de mer. Allez savoir est-ce qu'il va tenir la route, est-ce qu'il ne va pas rester bloqué là-bas, est-ce que quand il va arriver là-bas, tout ne va pas basculer, qu'il va être obligé de rester sur place. Dans le doute, il prescrit tout de suite. Il ordonne au Beit Din, il leur dit tout de suite. Imlobati, Mikan, Vaad 12 Chodesh. Je pars, la date d'aujourd'hui, d'accord, le 10 Adar. Si je ne suis pas revenu dans 12 mois, jusqu'au 10 Adar prochain, je vous ordonne de. Et au Beddin, ou bien même à Dehedi, moi, c'est la même chose. Imlobati, Mikan, Vaad 12 Chodesh. Si je ne suis pas revenu depuis maintenant jusqu'au 12 prochain mois, quitte-vous, nous get l'Echti. Écrivez et transmettez un guet à ma femme, qu'elle ne reste pas toute seule. Donc vous êtes mes shlichim, qu'au cas où je suis parvenu, vous écrirez un guet à ma femme. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils étaient un petit peu trop empressés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Kadvu guet betor shnemasar chodesh. Mais finalement, ils ont écrit le guet dans les 12 mois, mais ils ont veillé, venatnu le'achar shnemasar chodesh. Mais ils ont veillé à le transmettre après les 12 mois. Donc ils ont fait leur shlichut pas parfaitement comme c'était prévu. On avait dit qu'ils doivent écrire et transmettre après 12 mois. Ils ont écrit dans les 12 mois pour transmettre après les 12 mois. Eh bien la Mishnah me dit, « Eno get, ce ne sera pas un bon get. » Pourquoi? C'est très simple. Parce que écrire le get à ma femme, il faut que je vous nomme shaliach. Et je te dis, tu démarres à ta shlichut mardi prochain. Donc c'est pas lundi. Lundi, tu l'as écrit, tu n'étais pas mon shaliach pour l'écrire, c'est pas un bon get. D'accord? Maintenant, attention, finesse. Là, il a dit, si je ne viens pas dans les 12 mois, écrivez et transmettez. Là, on va voir maintenant le cas contraire. Il a dit, écrivez et transmettez un guet à ma femme si je ne viens pas dans les 12 mois. Vous allez me dire, c'est la même chose. Si je ne reviens pas dans les 12 mois, écrivez et transmettez un guet à ma femme. Écrivez et transmettez un guet à ma femme si je ne reviens pas dans les 12 mois. C'est la même chose, non? Qu'est-ce que ça change? Quand je suis fatigué, je mange du chocolat. Je mange du chocolat quand je suis fatigué. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben non, figurez-vous que non, il y a une différence. D'après Rabbi aussi, il y a une différence. Regardez ce qui va se passer. Quitte-vous, utnu get le ishti. Écrivez et transmettez un get à ma femme. Imlobati mikan ve'ad 12 chodesh. Si je ne suis pas revenu d'ici maintenant jusqu'à 12 prochains mois, et la Mishnah vient me dire, ben, même principe que le début de la Mishnah. Si, kadvu betor 12 chodesh, venatnu le'achar 12 chodesh, s'ils ont écrit durant les 12 mois, ils ont transmis après les 12 mois, et non get, ce ne sera pas un bon get, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir pour écrire le get, comme ce qu'on a vu dans le début de la Mishnah. Viens Rabbi Yossi me dit, non, Rabbi Yossi Omer, kaze get, dans cette formulation, c'est un bon get. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça change? La réponse est très simple. Selon Rabbi Yossi, je prescris deux actions. Écrivez et transmettez un guet après 12 mois. Bah, tout simplement, après 12 mois, selon le premier avis, le Tanakama, après 12 mois, ça se met en facteur sur tout. Selon Rabbi Yossi, c'est que sur la fin. Il a dit, écrivez un guet à ma femme et donnez un guet après les 12 mois. Mais il n'a pas été makpid dans la mesure. Ouais, c'est une question de... C'est simple, quoi. Quelle était son intention? Les gens en parlent sans... forcément avoir des idées bien précises. Donc forcément, on n'a que leurs mots qui ont été dit. Selon Rabbi aussi, c'est comme ça qu'ils ont entendu la phrase. Écrivez un guet à ma femme et transmettez-lui après 12 mois. Écrivez un guet à ma femme et transmettez-lui après les 12 mois. Après les 12 mois, on écrit et on transmet.
Selon Rabbi Yossi, ben, ça implique que transmettez-le après le devoir m'écrivez, il n'y a pas de kpeda sur ça. D'accord? C'est la machloquette. Fin de la Mishnah maintenant avec Kadvu. On continue maintenant. Dans le cas où il fallait attendre les 12 mois, on a attendu les 12 mois, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Kadvu le achar shnamasar chodesh. Ils ont écrit le get après le 12 mois comme prévu. Venat nou le achar shnamasar chodesh. Et bien évidemment, ils ont donné ensuite, après que les 12 mois étaient passés. Tout allait très bien. Mais ensuite, Vamet, on a appris qu'il est mort. Et en fait, oula, il avait dit 12 mois. Finalement, on a passé quand même 14 mois. On a appris qu'après 13 et demi, il était déjà agonisant. Eh bien, c'est très simple. Va vérifier, selon, je ne sais pas comment on dit, l'état civil, quand est-ce qu'il est décédé. Et regarde, ima get kadam lemita, si le get a précédé le décès. Donc, il a te donné le get quand il était encore vivant. Arezé get, c'est un bon get. Vim mita kadma la get. Et si le décès a précédé au get, donc le get n'était plus un bon get, et la femme n'est pas divorcée, elle est veuve. Elle est veuve, donc si elle est yevama, elle sera yevama. Alors, eno get, vim en yadua, et si tu ne sais pas, est-ce que elle était dit, est-ce que le mec, on n'arrive pas à comprendre exactement, on a compris que ça s'est passé plus ou moins dans la même journée, on a divorcé ici et il mourait là-bas, le pauvre. Eh bien, dans ce cas-là, zoi shamro megoreshet vena megoreshet, c'est. Voilà le cas, ou bien c'est un cas supplémentaire de, sur lequel on a donné la lachot de Megoreshet, Vena Megoreshet. Il y a une Mishnah, si je ne me trompe pas, c'est dans Yevamot, j'ai un petit doute où ça est dit. Il y a une Mishnah qui me dit, en tout cas, qui donne toute la lachot que chaque fois que Chachamim on dit Megoreshet, Vena Megoreshet, quel est le statut de la femme, qu'est-ce qu'il a engagé face à elle, et surtout, il ne doit pas lui redonner un guet. On a là-bas prescrit toute la lachot, tout ce que ça implique. Que dans le doute, elle fera le khalitsa, elle ne fera pas le hiboum. D'accord? Et donc, c'est sur ça, c'est sur un cas pareil qu'on a dit que la femme sera Megoreshet, Vena Megoreshet. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.